أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد في إطار سلسلة قراءة وفهم النصوص الفرنسية. اليوم غادي نشوفوا واحد نص جديد اللي هو من مستوى متوسط تحت عنوان Première pluie. Première pluie. Bienvenue les amis sur votre chaîne Khalid Affa, cours de français, lecture. Aujourd'hui, on va voir un nouveau texte qui s'intitule Première pluie. Première pluie. Donc, je lis le texte et j'explique. Et bien sûr, en lisant, je vais faire attention à la prononciation, à la liaison, à la ponctuation. Donc, je vais vous montrer comment faire une bonne lecture. Donc, je présente le texte d'abord. Première pluie. Depuis le matin, un vent violent souffle sur la forêt, sur les champs, sur le village. Il cassait les branches des arbres, balayait la poussière des cours et des chemins. Des brindilles et des feuilles sèches s'élevaient dans le ciel. De temps en temps, des aboiements de chiens se mêlaient aux cris. De temps en temps, des aboiements de chiens se mêlaient aux cris et aux appels des hommes. Les oiseaux se taisaient, la volaille caquetait bruyamment près du poulailler. Des éclairs silencieux déchiraient le ciel. Vers le soir, de grands nuages noirs apparurent au-dessus des collines. On entendait au loin le grondement du tonnerre. Les femmes rentrèrent rapidement tout ce qui traînait dehors. Sièges, nattes, marmites, jarres et autres ustensiles de cuisine. Ces jarres sont lourdes, dit Aïni. Fais-toi aider par quelqu'un. Vite, l'orage arrive. Le grondement se rapprochait. Soudain, une rafale plus forte que les autres enfonça la porte du hangar et arracha la toiture. Large, chaude, pesante, les premières gouttes s'écrasèrent sur le sol. Et tandis que le vent se calmait et que le ronflement du tonnerre diminuait, la pluie tomba, tomba. Elle emplit les trous, les transforma en flaques, en mares, en étangs. Il coula le long des pentes, dans les ruelles et les sentiers, se précipita vers la rivière qui se mit à déborder. D'après des Davesnes, la famille d'Yavarin. Je répète la lecture en expliquant bien sûr quelques difficultés de prononciation. La ponctuation, la liaison et l'orthographe en général. Première pluie. Depuis le matin, un vent violent souffle sur la forêt, sur les champs, sur le village. Il cassait les branches des arbres, liaison. Balayait la poussière des cours et des chemins, liaison. Des brindilles, i, ça se lit i de zles, ça se lit i, des brindilles et des feuilles sèches s'élevaient dans le ciel. De temps en temps, des aboiements, de temps en temps, donc la liaison, des aboiements de chiens se mêlaient aux cris, et aux appels des hommes. Les oiseaux se taisaient. La volaille caquetait bruyamment. Alors là, le mot ada, donc c'est un adverbe. Bien sûr, bruyant l'adjectif, bruyamment l'adverbe. Donc ça se lit bruyamment, deuxième, bruyamment. Près du poulailler, regardez, A-I-2-L-E-R. Des éclairs silencieux déchiraient le ciel. Vers le soir, de grands nuages noirs apparurent au-dessus des collines. On entendit au loin le grondement du tonnerre. Les femmes rentrèrent rapidement tout ce qui traînait dehors. Sièges, nattes, marmites, jarres et autres ustensiles de cuisine. La liste. Ces jarres sont lourdes, dit Aïni. Fais-toi aider par quelqu'un, vite, l'orage arrive,
Donc ici, il y a ce qu'on appelle l'enchaînement vocalique. Mais si liaison, la guinée enchaîne, quand on parle ou de la phrase d'Adi, l'orage arrive, donc tu as l'enchaînement. Il y a un tawasol bin le kelma l'oula ou tsel. Orage arrive, l'orage arrive. يعني كما لو أننا نحاول أن نربط لو جي مع لو أ بويسك لو أ إلي ميي بما أن لو أ راه ما كيتنطقش لوغاج أريف سا سكون أبيل أونشينمون أونشينمون إل بو إتر فوكاليك أو بيان كونسونانتيك دونك أوراج أريف لوغاج أريف لو غروندومون سو رابروشي سودان إن رافال بلو فورت كو لي زوطر أنفونسا لا بورت دونك لي زوطر لا ليزون enfonça la porte du hangar et arracha la toiture. Large, chaude, pesante, les premières gouttes s'écrasèrent sur le sol et tandis que le vent se calmait et que le ronflement du tonnerre diminuait, la pluie tomba. Il emplit les trous et les transforma en flaques, en mares, en étangs. Elle coula le long des pentes dans les ruelles et les sentiers. Se précipita vers la rivière qui se mit à déborder. Donc ici, bien sûr, vous avez un texte d'un niveau moyen, pour ne pas dire simple. Donc, vous avez des expressions, des phrases, des mots qui sont à la portée. Donc, après cette lecture, maintenant, on passe aux questions de compréhension. بعد هاد قراءة أو هذه القراءة للنص سنمر إلى فهم النص من خلال بعض الأسئلة التي ستجدون أجوبتها في النص. Donc, question de compréhension. De quoi parle-t-on dans ce texte? De quoi parle-t-on dans ce texte? عن ماذا نتحدث في هذا النص؟ S'agit-il de la campagne ou de la ville? Justifiez votre réponse à partir du texte. هل يتعلق الأمر بالبادية أو بالمدينة؟ يعني justifiez votre réponse à partir de حاول أن تبرر أو تؤكد جوابك من خلال النص. حاول أن تبرر جوابك من خلال النص. Est-ce que cette première pluie a entraîné des dégâts? Justifiez votre réponse à partir du texte. هل هذا المطر الأول أو هذه الأمطار الأولية أدت إلى خسائر؟ أو نتج عنها خسائر. إذن حاول أن تجيب بالسناد على النص. Est-ce que cette première pluie était ordinaire؟ هل كانت هذه الأمطار الأولية عادية؟ Comment trouvez-vous cette description de l'auteur؟ يعني كيف تجدون هذا الوصف الذي استعمل الكاتب في هذا النص؟ يعني ما رأيكم فيه؟ كيف تجدونه؟ Donc, j'ai oublié Kalimatsayn, d'abord. Quel est le temps adopté dans le texte? On a le temps, mais c'est le temps, yani zemen. On a tariqat al-kalam. Le temps adopté, on a tariqat al-kalam. Ou le temps, T-O-N. Ok, le temps, E-M-P-S, les ouais zemen. D'abord, ouais, le futur, ou la présent, ou la passé simple. Et c'est le temps adopté, yani, nabrat al-hadith, nabrat al-kalam, tariqat al-kalam, yani, maudouima. Et maintenant, je passe aux réponses. D'abord, quand tu m'as répondu, tu as répondu, tu as répondu, deux ans, tu vas en lire à l'ajouiva. De quoi parle-t-on dans ce texte? On parle de la première pluie. On parle de la première pluie. S'agit-il de la campagne ou de la ville? Justifiez votre réponse à partir du texte. D'abord, on parle de la badia. Sur la forêt, sur les champs, sur le village, bien sûr, c'est la campagne. Est-ce que cette première pluie a entraîné des dégâts? Justifiez votre réponse à partir du texte. Oui, une rafale plus forte que les autres enfonça la porte du hangar et arracha la toiture. La question numéro 4. Est-ce que cette première pluie était ordinaire? Non. Comment trouvez-vous cette description de l'auteur qui fait agidoun hadalwas?
الوصف هو ديتايي اي مينيسيوز. La description مفصلة ودقيقة. Quel est le ton adopté dans le texte? ما هي النبرة المعتمدة في هذا النص؟ Donc c'est le ton dramatique. طبعا كاين واحد النوع من الدراما dramatique. Donc الآن نمر إلى قراءة النص جملة 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 جملة. يعني سنرى شنو هي الجمل المكونة للتكست. وهذا مهم. لماذا؟ لأن عادة الذي يقرأ النصوص لا يفهم بأن كل جملة كتكون تؤدي معنى معين، طبعا في إطار المعنى الإجمالي ديال النص، ولكن كل جملة عندها واحد المعنى خاص ينتهي بالنقطة طبعا أو علامة تعجب أو علامة استفهام. Depuis le matin, un vent violent souffle sur la forêt, sur les champs, sur le village. Il cassait les branches des arbres, balayait la poussière du cours et des chemins. Des brindilles et des feuilles sèches s'élevaient dans le ciel. De temps en temps, des aboiements de chiens se mêlaient aux cris et aux appels des hommes. Les oiseaux se taisaient. La volaille caquetait bruyamment près du poulailler. Des éclairs silencieux éclairaient le ciel. Vers le soir, de grands nuages noirs apparurent au-dessus des collines. On entendit au loin le grondement du tonnerre. Les femmes rentrèrent rapidement, tout ce qui traînait dehors, sièges, nattes, marmites, jarres et autres ustensiles de cuisine. Ces jarres sont lourdes, dit Aini. Fais-toi aider par quelqu'un vite, l'orage arrive. Le grondement se rapprochait. Soudain, une rafale plus forte que les autres enfonça la porte du hangar et arracha la toiture. Large, chaude, pesante, les premières gouttes s'écrasèrent sur le sol. Et tandis que le vent se calmait et que le ronflement du tonnerre diminuait, la pluie tomba. Elle emplit les trous, les transforma en flaques, en mares, en étangs. Elle coula le long des pentes, dans les ruelles et les sentiers, se précipita vers la rivière qui se mit à déborder. Nous avons lu les phrases du texte, maintenant on passe à l'explication et à la traduction. إذن الآن نمر إلى الشرح مع الترجمة طبعا لفهم النص جيدا. Phrase du texte traduite. Depuis le matin, un vent violent souffle sur la forêt, sur les champs, sur le village. منذ الصباح حبت رياح عنيفة فوق الغابة فوق الحقول فوق القرية. طبعا un vent violent, رياح عنيفة. الحقول هما les champs, le village القرية ou la forêt, طبعا هي الغابة. Il cassait les branches des arbres, balayait la poussière du cours et des chemins. Donc il هنا هو le vent, يعني الرياح. كسرت الرياح, أغصان الأشجار ورفعت الغبار من الأفنية والمسارات. Les branches des arbres, أغصان الأشجار, balayait يعني شطبت أو رفعت الغبار. La poussière, la poussière ou le غبار. Des cours, les cours, ما الأفنية, la cour de la maison, فناء. المسارات هما les chemins, المسار, le chemin, la piste. Des brindilles et des feuilles sèches s'élevaient dans le ciel. ارتفعت الأغصان والأوراق الجافة. الأغصان والأوراق الجافة في السماء من شدة الرياح. De temps en temps, des aboiements de chiens se mêlaient aux cris et aux appels des hommes. من حين لآخر كان نباح الكلاب يختلط بصرخات الرجال ونداءاتهم. من حين لآخر, de temps en temps, des aboiements de chiens, نباح. On dit un chien aboie, الكلب ينبح, le chien aboie. نباح الكلاب, des aboiements de chiens. Se mêlaient, يختلط, بصرخات الرجال, aux cris, écrit des hommes,
Nidaatihum, yani nidaat al-rijal, les appels des hommes. D'accord? Donc, appel nida, sarha, cri. Les oiseaux se taisaient. Les oiseaux se taisaient. Le verbe se taisait, neuf lames parfait. Madi. Samatati toyor, samatati toyor. La volaille caquetait bruyamment près du poulailler. La volaille, mot dawajin. Daimen, dawajin, il y a un mot collectif. لي كيجمع مجموعة ديال حيوانات الأليف. كانت الدواجن تصيح بصوت عالي كاكوتي، يعني تصدر صوت الدجاج أو الدياكة كاكوتي، تصيح بصوت عالي كاكوتي. بالقرب بري برويامون هو بصوت عالي. بالقرب بري دو بولاي من حاضرة الدجاج، المكان الذي تعيش فيه الدجاج في دون لا فيرم أو في منزل في القرية يسمى الحاضرة. حضيرة الدجاج لو بولاي جاية بول كلمة جاية بول بولاي des éclairs silencieux déchiraient le ciel des éclairs silencieux déchiraient le ciel ومضات البرق الصامت كانت تمزق السماء ومضات البرق les éclairs هو البرق هذاك الضوء الذي يصدر عن البرق يسمى ومضات des éclairs silencieux صامتة طبعا déchiraient le ciel ثم كانت تمزق Vers le soir, de grands nuages noirs apparurent au-dessus des collines. Ma aqtirab al-masa, daharat ghuyum sauda kabira fawqa tilal. Vers le soir, ma aqtirab al-masa. De grands nuages, ghuyum sauda kabira, apparurent daharat au-dessus fawqa, au-dessus kin au-dessous, tahta, au-dessus fawqa. Donc au-dessus fawqa tilal les collines. On entendit au loin le grondement du tonnerre. On s'amena en bout, min ou min baïd, le grondement du tonnerre. S'amena hadir al-radi min baïd. Le grondement, on dit le tonnerre grand. Donc hadir al-rad min baïd. S'amena, on entendit, min baïd au loin, le grondement du tonnerre, hadir al-rad. Les femmes rentrèrent rapidement. Tout ce qui traînait dehors, siège, natte, marmite, jarre, et autres ustensiles de cuisine. Adkhalat nisa bisura kullu ma kana mutanatiran bil kharij tout ce qui traînait dehors. Al maqa'id wal hasa'ir wal awani wal jirar wa adawat al matbakh al akhra. Donc les femmes rentrent. Adkhalat nisa bisura rapidement kullu ma kana mutanatiran bil kharij tout ce qui traînait mutanatir dehors bil kharij. Al maqa'id les sièges, hasa'ir les nattes, les marmites al awani, les jarres al jirar. Adawat al-matbakh al-okhra, les autres ustensiles de cuisine. Ces jarres sont lourdes, dit Aïni. Hadih al-jirar taqila taqulu Aïni. Hna Aïni wa ism fatat. Fais-toi aider par quelqu'un, vite, l'orage arrive. Otlom min ahadihim an yusaidak. Asri al-asifa qadima. Le grondement se rapprochait. Kana hadir al-rad yaqtarib. Soudain, une rafale plus forte que les autres, enfonça la porte du hangar et arracha la toiture. Fajatan, soudain. Asifa aqwa min al-okhra. Une rafale plus forte que les autres enfonça la porte du hangar. Fajatan asifa aqwa min al-okhra hatta matbab saqifa wa intashrat saq. Donc soudain, fajatan. Une rafale plus forte que les autres. Asifa aqwa min al-okhra hatta matbab saqifa. Enfonça hatta mat. La porte du hangar, bab saqifa. Le hangar, vous connaissez ce que veut dire le hangar. Wentashalat saqf, c'est-à-dire, il a arraché la toiture d'yalage, dial le hangar. Large, chaude, pesante, les premières gouttes s'écrasèrent sur le sol. Yani, kabira sakhina taqila, saqatat al-qatarat l'oula ala l'ard. Donc, sinon, il y a la qatarat, huma les premières gouttes, la qatarat l'oula, s'écrasèrent, saqatat biqouwa. Sur le sol, à l'arbre. Qu'est-ce que c'est la qatarat l'oula? Large, chaude, pesante. Kabira, large. Sakhina, chaude. Sakhila, pesante. Donc large, mon le kabira ou chassia. Et tandis que le vent se calmait et que le ronflement du tonnerre diminuait, la pluie tomba. Wa lamma kanat ar-rih takhmud wa hadi ar-ra'd yakhfut saqata al-matar. ولما كانت الريح تخمد وهذه الرعد يخفض سقط المطر. Et tandis que le vent se calmait et que le renflement du tonnerre diminuait, la pluie tomba.
Donc, ولما كانت الريح تخمد. Et tandis que le vent se calme, le vent se calme, يخمد. هذه الرعد, le renflement du tonnerre, ou bien le grondement du tonnerre, diminué, يعني يخفض. تخمد, يعني se calme. Il emplit les trous, les transforma en flaques, en mares, en étangs. Il emplit, يعني remplir. ملأت الثقوب, on dit emplir ou bien remplir. يعني هذيك الأمطار الأولية ملأت الثقوب. وحولتها إلى بيرك فلاك بيرك أمار مستنقعات أونيتون أحواض يعني من الصغير إلى الكبير بيركا مستنقع حوض هناك يعني زيادة في تهطل الأمطار أدى إلى فيضانات زينونداسيون Il coula le long des pentes dans les ruelles et les sentiers, se précipita vers la rivière qui se mit à déborder. تدفقت على طول المنحدرات في الأزقة والممرات واندفعت نحو النهر الذي بدأ يفيض تدفقت على طول المنحدرات في الأزقة والممرات واندفعت نحو النهر الذي بدأ يفيض تدفقت على طول المنحدرات يعني الكولا لو لون دي بونت المنحدر ولا بونت دون لي ريول زي لي سونتي في الأزقة والممرات في الأزقة لي ريول والممرات لي سونتي سو بريسيبيتا فيغ لا ريبيل واندفع نحو النهر الذي بدأ يفيض il se met à déborder وفاض on dit le verre déborde يعني ملي كتعمر الكاس بزاف il déborde يخرج الماء من الكاس donc bien sûr يفيض on dit il déborde إذن أصدقائي بهذا يكون قد انتهينا من هذا الدرس وهو درس مهم أتمنى أن تعيدوه مرات وعلى مرات شكرا لكم merci d'avoir visionné C'est la fin. Merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo. شكرا على تتبعكم واهتمامكم.